arrivé. Merci. J'espère que beaucoup vont te reconnaître. Tu es la musulmane de Soubré, c'est ça, non? Oui. Ah, de Soubré, qui était gravement malade. Gravement malade, oui. Et sa fille a expédié le lait. Oui. Ah, on voyait le lait. Et elle a senti quelque chose, elle est revenue, voit l'homme de Dieu et le miracle s'est passé. Ouais, donc dis-nous. J'étais malade à Soubré. Oui. J'étais à Soubré, j'étais gravement malade. Mais je suis parti à l'hôpital, on m'a traité de tout. J'étais à Soubré, de Soubré Gagnon, même chose, ils ne savaient même pas quoi. Aller. Ah, on dit j'étais séropositif. Que vraiment, remettre que vous me ordonnance que vous me donnez, puis je vais vivre là. Vraiment, les gens, docteur là ne connaît pas. Je suis venu au CHU. De très chez ma fille m'a venu au CHU. Le docteur dit que vraiment, on ne sait pas ce qu'on fait pour ta main. C'est là, j'ai mon neveu, j'ai appelé ma fille. Elle dit, bijou. Et l'homme de Dieu qui est à Gozak là. À Port-Bouy là. À Port-Bouy là. C'est là, ma fille m'a appelé. J'ai dit, ah! Laissez affaire de l'homme de Dieu là, je ne sais même pas que je peux marcher pour aller jusqu'à Abidjan, plus forte raison, à Port-Bouy, je ne peux pas. J'ai réuni mes enfants, j'étais auprès de moi, puis je leur ai dit, ah, vraiment, toi le plus grand, il faut prendre soin de tes petits frères, que vraiment, où je vais à Soubré, à Abidjan, je ne suis même pas sûr que je vais arriver à Abidjan. Donc, vraiment, aidez-vous. J'ai pris le cas, et puis je suis venu. Quand on est arrivé, ma fille est venue payer le lait. Et puis elle m'a donné. Elle dit, Max, il faut boire ça. Elle dit, ah, j'étais couché. Elle dit, ah, c'est quel lait? Elle dit, il faut boire, mais on dit, ça guérit. Il dit, lait d'achasser, puis on dirait à huile dessus. Si c'est ça, là, il faut aller payer le lait à la boutique. Là, au moins, ça, c'est beaucoup. Voilà, c'est beaucoup. Je peux boire ça, et puis là, ça peut me guérir, mais ça, d'achasser, là, ça va faire quoi? Elle dit, ça fait rien, il faut boire. Je ne voulais pas boire, il faut boire. Elle dit, mais ça là, c'est l'air avec l'huile qui est mélangée. D'accord. J'ai prié, puis j'ai percé. Elle dit de prier. Je dis, ah, prier là, mais je suis fatigué. Si l'air là peut me guérir là, ça va me guérir, que je suis fatigué de prier. Et puis j'ai percé, j'ai prié. Quand je ne marchais pas, mon sexe m'était enflé. Ça a dépassé, je ne marchais pas. C'est là. Quand j'ai vu j'ai appelé ma petite soeur, elle dit, ah, il faut venir. Parce que nous, les musulmans, quand on meurt, c'est les musulmans qui nous enterrent. Toi, viens, tu vas voir mon corps. Il ne faut pas les musulmans, ils vont m'enterrer seul. Viens rester auprès de moi. Et puis, elle est venue. Donc, quand j'ai bu le lait, je me suis levé comme ça. Mais je ne savais pas que je me suis levé. Automatiquement. Tu ne marchais pas. Non, il ne marchait pas. C'est elle qui m'a dit, Matt, il dit, il y a quoi? Elle dit, tu t'es levé. Il dit non, je me suis levé puis j'ai commencé à marcher. C'est comme ça la nuit. On ne pense pas que tu es malade, tu ne sais pas que tu t'es. Je ne sais même pas qui m'a soulevé. Pas je ne marchais pas même. Ça a étonné les voisins de ma fille. Ah, ta main s'est levée. Moi-même, je ne croyais pas. Maintenant, j'étais là jusqu'à on allait se coucher. À ce moment, je ne connaissais pas Dieu de Papa Florian, où il guérit, à Pauvre, je ne connaissais pas. On allait se coucher à 1h, à l'autre, à 1h du matin. Il y a quelqu'un qui est rentré dans la chambre où je suis couché. Tu as crié mon nom, Max, et puis je l'ai regardé. Je l'ai regardé. Il dit... La personne était comment? Enfin, c'était lui, mais je ne le connaissais pas. Il était grand détail, il a porté sur l'autre, il a mis ses vêtements au cou d'abord, là. Et puis il est rentré. Il dit, Max, et puis je l'ai regardé. Il dit, où est Coton? Je dis, il y a Coton là-bas. Et puis il a pris le coton, il l'a fait comme ça. Le coton était sec, mais quand il a pris le coton, il l'a fait comme ça, c'est mouillé. Et puis il a pris, et puis il m'a massé. Il m'a massé tout. J'étais couché comme ça, il m'a massé tout. Maintenant, il a pris. Je ne sais pas s'il était en train de prier. Quand il a fini, il est sorti. Quand il a fini, il est sorti, ça brûlait. Là, j'ai réveillé ma fille. Il dit, bijou. Elle dit, il y a quoi? Il dit, mais tu n'as pas fermé la porte. Tu sais, je suis malade, les gens sont venus jouer avec mon sexe. Elle dit, comment? J'ai fermé la porte. Il dit, tu n'as pas fermé la porte. Il y a un homme grand détail clair qui est venu. Il m'a touché partout. Truc qui enflue là, ça me fait mal.
Elle dit, ah, mais comment on fait la nuit là? Si c'est ça, on va partir chez l'homme de Dieu là. Et puis on va l'expliquer. Elle aussi, elle ne connaît pas là-bas. Moi aussi, elle dit, mais tu le connais. Elle dit, si je vois, lui qui est venu là. En rêve là. En rêve là. Si je le vois, je peux le connaître. Puis il est noir, grand de taille. Elle dit, c'est tout que. C'est tout que tu as remarqué. Elle dit, oui, il est un peu. Je fus façon. Elle a dit, d'accord, allons. Et puis on est venu. On est venu. Je me débrouille un peu, je marchais un peu, cela. Elle a dit, mais où est l'homme qui est venu te soigner là? Il dit, c'est le monsieur qui a porté dentelle blanche. À ce moment, il le joue, il a porté dentelle tout blanc. Mm-hmm. J'ai dit, c'est lui qui est là. Il dit, mais on va faire comment pour l'approcher? Il dit, il y a beaucoup d'hommes derrière moi, je ne veux pas l'approcher. Mais ça fait quoi l'homme que tu as vu en rêve et puis du coup, tu le vois vis-à-vis? Cela, ma fille m'a demandé, tu es sûr que c'est lui là que tu as vu? J'ai dit, oui, c'est lui. C'est lui, mais quand il est venu en rêve, il a porté pantalon, il était pressé, on dirait qu'il partait quelque part. Mais maintenant, c'est lui qui a habillé, tu es arrêté là. Ma fille a dit, donc on fait comment? Il dit, ah, il y a beaucoup d'hommes, mais moi, je n'ai pas arrivé. Pas, je ne marchais pas bien. Je n'ai pas arrivé. Quand j'ai arrivé, les gens ont me regardé. Mes pieds sont cartés comme ça, je ne peux pas. C'est là qu'on a demandé aux gens. Il y avait une femme, il y avait les filles qui travaillaient au pôle, elles m'ont dit oui, que c'est l'homme là. Que c'est lui qui guérit, c'est lui qui est papa Florian là. C'est là qu'il est d'accord. Donc on a payé les nécessaires et puis on allait. Quand on allait, j'ai pris une là. J'ai dit, ah, c'est une qu'on voit à la boutique que tu as amené ici encore. C'est même pas beaucoup, puis tu sais, 3 000. Elle dit, oui, on n'a qu'à faire. Donc, une là, on m'a dit, comment je vais faire? J'ai pris l'eau. Un jour même, j'ai pris le médicament poudre. J'ai mis dans. Je dis, je m'en vais purifier. Quand j'ai mis dans le purgeoir, bizarrement, je vois au moment où elle m'a baissé pour me purger, toutes les versets, le purgeoir est déchiré. C'est là que j'ai appelé ma fille, j'ai dit, ah, purgeoir est déchiré. Et puis on est revenu encore chez l'homme de Dieu. Je lui ai montré purgeoir là. C'est là qu'il a dit, ah, il faut payer l'autre purgeoir. C'est là maintenant, il m'a donné un paquet de choses. Sang de Jésus, quoi, tout. Et puis je suis parti à Soubré. Arrivé à Soubré, mon mari a eu travail à Abidjan. Parce que je suis venu aussi avec mon mari qui a payé sang de Jésus. Il a eu travail à Abidjan ici, on nous a amené à Abidjan. Donc maintenant on a habité, on a la GESCO. Wow. Mais j'ai ma soeur qui est malade, qui m'a appelé, elle dit qu'elle est fatiguée. Elle dit, non, c'est pas la peine, il faut venir en même temps. Parce que moi-même, j'ai envie d'aller voir l'homme de Dieu, mais je ne suis pas encore parti. Il faut venir, tu vas payer mon transport, puis on va venir. Et puis je vais le voir. C'est comme ça qu'on est venu. C'est un grand témoignage. Je suis parti à l'hôpital, on voit mon sang, on dit, vraiment madame, est-ce que c'est sûr que les comprimés qu'on t'a pris, est-ce que tu les prends? J'ai dit, ah, je prends. Dit non, mais ton sang là, vraiment, ah, on ne sait pas, vraiment, ils ne savent pas ce qu'ils vont me dire. Chaque fin du mois, quand j'ai vu, on dit, bon, il faut venir l'autre fin du mois. Je suis passé à Gagnon, qu'on m'a dit que j'ai le sida. Mm-hmm. Je suis parti à Gagnon. Quand je suis rentré, ils ont dit, non, madame, on ne te reçoit pas. J'ai dit, non, je suis venu ici un jour malade, vous avez vu mon sang, vous avez dit que j'ai le sida. Donc, je suis revenu voir, la femme a dit, non, que... On reçoit les idées, mais c'est pas toi, on sort. Et puis je suis sorti. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc j'ai amené ma soeur là, j'ai en profité pour. Mais à ces voix, tu n'as pas la maladie. Mais est-ce que tu sens la maladie? Tu sens rien? Non. Donc tu ne fais pas la maladie. Donc c'était une maladie que la sorcellerie t'a donnée. Donc forcément, Dieu a enlevé ça. Dieu a enlevé cette maladie. C'est pour ça. C'est pourquoi le médecin ne peut rien te dire. Sinon, aujourd'hui, on m'a dit encore d'aller encore à la chose. Dans ce mois-là, quoi, elle m'a dit, quand on m'appelle, je viens, mais il ne me disait rien. Tout a accompli. Tout a accompli. Dieu a déjà fait le travail. C'est pourquoi tu as repris ta forme. Mm-hmm. Voilà. Maintenant, les femmes, elles ne m'ont pas répondu. Mais moi, elles ne t'ont pas répondu. Non. C'est mon mari même qui allait s'imposer, mais lui aussi, il prend le sang de Jésus. Voilà, quel conseil, quel message tu donnes à tes frères musulmans qui hésitent? Ah, vraiment, s'ils sont malades, que ces mystiques là, ils n'ont qu'à venir. Voilà, ils n'ont qu'à venir pour boire le lait là même d'abord. La première des choses, c'est le lait là. C'est très important. Voilà, c'est le lait là même qui est important. Voilà. Okay. Sois béni. Amen. Dieu au contrôle. Amen. Okay. We'll be right back.
Yes, way.